Salut, salut, voilà, c'est tout le monde, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, si vous voyez l'écran, c'est que c'est toujours moi, voilà. Donc, pour ceux qui viennent juste de me voir, essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà. Et puis, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous fais un grand merci, et puis, continuez et restez toujours abonnés, voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, on va commencer, et puis, je vais vous parler d'une bourse qui est quoi, qui est... C'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur cette bourse, voilà. Je crois bien l'année passée j'ai fait une vidéo sur cette bourse. Et cette bourse c'est quoi? C'est Columbia University, voilà. Donc Columbia University, c'est une université en Italie, voilà. Donc vraiment, c'est vraiment touchant parce que malgré ce que l'Italie a vécu, voilà, ils décident comme ça de toujours faire plaisir aux étudiants étrangers. Donc ils décident de vous donner une bourse. Voilà, donc pour ceux qui peuvent excusez-moi. Donc pour ceux qui peuvent vraiment postuler, voilà, essayez de postuler. Et n'oubliez pas, ne pensez pas que c'est parce que c'est l'état du coronavirus en Italie et tout comme ça. Non, c'est pas ça. Actuellement, l'état est un peu, je parle de l'état de l'Italie est un peu adéquat. Donc je crois que les gens ont commencé à y aller, ou bien même si vous ne pouvez pas aller là-bas, c'est ce que je vous dis toujours. La bourse peut faire, par exemple, sur la licence, ça peut faire moins 4 ans ou bien 3 ans. Le master peut faire 3 ans ou bien 2 ans. Voilà, donc, même si vous avez eu la bourse et que, à cause de la crise sanitaire, vous ne pouvez pas vous rendre là-bas en Italie, vous allez rester dans votre pays et utiliser cette bourse, voilà, par rapport aux universités, mais de façon distanctionnelle. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent vraiment postuler, c'est une bonne bourse, voilà, donc vous pouvez postuler, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis cette bourse, elle est vraiment totale. Quand je dis totale, ça prend en compte la scolarité, ça prend en compte l'assurance maladie, ça prend en compte, je vais dire, et chaque fin du mois, vous avez au moins quelque chose, voilà, vous avez de l'argent. Donc, c'est vraiment une bonne bourse, voilà, donc je vous dis vraiment de postuler. N'oubliez pas les bourses que les pays vous octroient, ça contribue aussi au développement de ce pays. Voilà, donc si, c'est ce que je vous disais, une fois que le cas du coronavirus est bien maintenu dans un pays, ils vont commencer à distribuer des bourses pour enrichir un peu leur pays, pour enrichir un peu leur culture, voilà. Et puis le fait aussi d'enseigner une culture à une autre, vraiment ça développe un pays. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc, essayez de postuler. Les documents que vous devez avoir pour pouvoir postuler, c'est quoi? On a le passeport, on a le CV, voilà, comme vous savez d'habitude, le passeport, le CV. Et puis voilà, ceux qui veulent faire, par exemple, comme ça, le master, ils doivent avoir la licence. Maintenant, ceux qui veulent faire la licence, ils doivent avoir le baccalauréat. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion ou bien l'opportunité d'associer le relevé avec le baccalauréat et les relevés aussi avec la licence, faites-le. Mais si vous n'avez pas, c'est pas vraiment important, c'est juste des justificatifs, voilà. C'est pas vraiment aussi, ils sont pas accentués sur cela. Donc ne vous fatiguez pas à chercher des relevés si vous n'avez pas. Vous n'en avez pas. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc d'abord le passeport, après le passeport, un CV. Après un CV, le baccalauréat pour ceux qui veulent faire la licence. Et la licence pour ceux qui viennent faire le master. Voilà, donc c'était un peu ça. Alors pour pouvoir postuler à cette bourse, c'est très simple. Vous devez d'abord, comme d'habitude, par rapport maintenant, ça reste maintenant comme ça, sauf la Croatie et puis le Danemark. Vous devez vous abonner, vous devez vous enregistrer sur le site de l'université, voilà, Columbia. Et quand vous allez finir de vous enregistrer, voilà, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure en vidéo, voilà, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler pour que vous puissiez postuler de façon simple. Et puis voilà, maintenant. Il dit toujours, pour ceux qui ne comprennent rien, qui ne voient rien, qui ne savent pas comment faire, ils peuvent m'écrire une bosse et puis voilà, je vais leur montrer comment ça se passe. Et aussi, si vous ne voulez pas que nous-mêmes on postule pour vous et que vous voulez postuler vous-même, alors commencez et puis posez des questions. Voilà. Ne m'envoyez pas les liens. Je répète toujours, ne m'envoyez pas les liens pour que je puisse postuler pour vous. Il n'y a pas assez de temps. Et puis voilà, il y a trop de choses à faire. On ne pourra pas. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp, voilà, c'est possible. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp. Je vous dis et je répète, la bourse elle est totale. Alors postulez, vous n'avez rien à perdre. Cette année, je vous dis très bien, pour tous mes abonnés, essayez au moins de postuler à 5 bourses ou bien 8 bourses comme vous pouvez.
Voilà, parce que ça va vous arranger. Donc, on y va sans trop tarder. On y va et à tout à l'heure. Ok, donc voilà ce que je vous disais, c'est le site qui est là, voilà, c'est le site qui est là, donc je vais mettre ça en commentaire ou bien en description, voilà, à chaque instant essayez de regarder en commentaire ou bien en description, vous allez voir le lien là-bas, vous allez pouvoir postuler un peu plus facilement. Donc comme je vous le disais, on va d'abord faire quoi? On va d'abord s'inscrire, voilà, on va s'inscrire sur le site de l'université et commencer maintenant à postuler. Voilà, donc voilà le site qui est là et puis voilà ce dont nous avons besoin. Donc pour pouvoir postuler, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, voici ce dont vous avez besoin. D'abord le passeport, après cela le CV, après ça le baccalauréat, le diplôme de baccalauréat. Voilà, vous avez un baccalauréat obligatoire si vous pouvez pour un cours de maîtrise de 2 ans. Bon, ça c'est quand ils mettent baccalauréat comme ça. C'est bachelor, vous comprenez, c'est bachelor qui est quoi, qui est par exemple la licence. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire, par exemple si je mets par exemple en anglais, regardez bien, je vais mettre ça en anglais, vous allez voir ça va changer, ça va, voilà, voilà, vous voyez là, ça c'est bachelor, voilà, c'est bachelor degré. Maintenant le high school, c'est lorsque vous avez le baccalauréat et que vous voulez faire la licence. Maintenant ici bachelor degré, c'est lorsque vous l'avez et que vous voulez faire le master. Voilà, donc je vais remettre en français pour que tout le monde puisse au moins suivre avec moi. Donc ici, d'abord, pour ceux qui veulent faire la licence, d'abord, c'est quoi le baccalauréat? Pour le master, c'est quoi? C'est la licence, voilà. Et vous complétez avec le relevé de notes de l'université, voilà. Et ici, programme d'université de tous les cours. Ça, c'est pas vraiment important, mais si vous les avez, vous pouvez mettre le programme d'université de tous les cours. Maintenant, certificat de langue, ça c'est si vous l'avez. Et en anglais aussi, c'est si vous l'avez. Si vous l'avez pas, alors c'est pas une obligation. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que ceux qui vont l'avoir, vraiment, ils seront privilégiés par rapport aux autres. Voilà. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord, pour postuler, on doit d'abord s'inscrire sur le site. Après ça, on vient au portail, encore. On va dans menu en haut à droite, bureau de registre. Et test d'admission. Vous devez sélectionner le concours appel aux étudiants extra UE. Voilà. Donc d'abord on doit d'abord s'inscrire d'abord. Voilà, ça c'est ce qui est important. Et puis la date limite c'est quoi? La date limite c'est le 14 mai. Donc ça veut dire que vous avez par exemple 9 jours pour pouvoir postuler. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Il y a des étudiants qui m'envoient des messages pour me demander à ce que je puisse faire la vidéo sur cette bourse. Il n'y a pas assez de temps, donc vraiment je suis désolé, c'est lorsque j'ai un peu de temps que je peux faire une vidéo pour vous. Voilà, donc essayez de me comprendre et puis voilà. Donc c'est ce qui est là, on va essayer de faire un peu rapidement, voilà, puisqu'il ne reste même pas assez de jours. Donc voilà, donc on va d'abord s'inscrire sur le site. Donc vous cliquez sur inscription, on va d'abord s'inscrire sur le site. Une fois qu'on finit s'inscrire, maintenant on revient sur le site et puis maintenant on va voir où est-ce qu'ils nous ont indiqué pour pouvoir faire l'inscription. Voilà, donc nous sommes là. Je crois que voilà, on doit mettre nos personal data. Après ça, adresse permanente. Après ça, quelqu'un adresse. Après ça, contact. Ok. Donc, on va venir là. Web registration. Voilà, donc nous sommes là. On va. Donc vous suivez de la même manière dont je vais faire, voilà. Et puis ne me reposez pas les mêmes questions parce que c'est la même chose qu'on fait depuis. Donc ici le nom, ok, et puis le prénom, ok, patronyme, ça si vous n'avez pas, vous ne mettez pas la date de naissance. Bon, moi je considère que je viens faire toujours la licence, voilà. Donc c'est comme si j'avais le baccalauréat, donc on va faire ça en fonction de moi. Voilà, maintenant pour ceux qui viennent faire le master aussi, vous suivez, c'est la même méthode, donc rien ne change. Voilà, donc date de naissance, je prends avril. Bon, si je viens faire la licence, c'est à dire que je peux être né en 2002 comme ça. Ok, le 3
Avril 2002. Gendre, mâle. Nationalité, Côte d'Ivoire. Ok. Pays aussi, Côte d'Ivoire. Pays aussi, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, eh bien c'est quoi, c'est Ivory Coast. Voyons voir Ivory Coast. Voyons voir Ivory Coast. Voyons voir Ivory Coast. Voilà, il y a Ivory Coast. Donc si Côte d'Ivoire marche pas, vous allez Ivory Coast. Voilà, vous pouvez prendre Ivory Coast. Ok, donc on continue. Ville non listée. Voyons voir. Ok, donc ville non répertoriée. Je mets par exemple comme ça Abidjan. Voilà, ici on dit code des impôts italiens. On dit calculer automatiquement si là, donc nous on n'a pas ça, donc on avance. Dans les normes, il y a l'astérisque. Voilà, donc comme vous n'avez pas, voici ce que eux ont mis. Voilà, c'est automatique. Ceux qui n'ont pas, n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas ici le code, ils vont mettre cela de façon automatique. Voilà, comme ça vous allez pouvoir avancer un peu plus vite. Voilà, donc on va vérifier, ça passe, vous comprenez. Voilà, donc si vous cliquez une fois que ça passe pas, regardez bien, ils vont mettre ça de façon automatique, comme ça vous allez prendre et puis voilà, puis vous avancez. Donc pays, on dit quoi, on dit permanent adresse, votre adresse permanente, pays Côte d'Ivoire. Si Côte d'Ivoire n'est pas là, vous mettez Ivory Coast. Voilà, vous voyez ici Côte d'Ivoire n'est pas là, donc je vais prendre Ivory Coast. Pays Ivory Coast, province, je vais prendre ici. Ils ont mis quoi? Ils ont mis la ville saisie n'a pas été trouvée parmi celle répertoriée. C'est quoi? C'est Abidjan. Ok, code postal. Ici, code postal, ils ont dit si vous êtes en Italie, localité, adresse, Sèche-Cassis, appartement 4. Ok. Ok, donc après ça, on dit quoi? Numéro rue, donc rue 12. Ok, ici on dit quoi? On dit date de naissance, je crois, ou bien parce que c'est en italien, je vois bien date de validité, comme ça. Date de validité, je crois. Ici, téléphone, je vais mettre quoi, plus 7, ça c'est le téléphone. Si vous avez besoin de questions, vous pouvez écrire sur ce numéro, voilà, et celui-là, il va vous répondre. Ok, l'adresse actuelle est la même que l'adresse permanente, ouais, voilà. Si vous avez changé de coin, d'endroit, vous mettez non. Maintenant ici, voyons voir, ici on dit donner. Données de validité, données de validité, où est-ce que vous avez vécu, jusqu'à actuellement. Donc si vous êtes toujours là-bas, vous pouvez mettre la date de maintenant. Voilà, on est en mai, c'est le 5, vous êtes, ça veut dire que vous êtes toujours là-bas, le 5, vous êtes toujours là-bas, donc ça peut marcher. Ok, on avance. Les éléments en astérisque sont vraiment très importants, donc n'oubliez pas. Voilà, si ça ne marche pas, vous voyez ici, ça ne marche pas, vous devez changer, faites tout possible pour changer.
Ici, aujourd'hui c'est le 5, donc je vais prendre par exemple mai, le premier, voyons voir. Ok. Donc on avance. Ici, le mail, je prends le mail de la chaîne YouTube. Voilà. Ok, donc mail encore, confirmation de mail là, je crois. Confirmation de mail. Courriel certifié. Bon, ça vous n'avez pas, donc c'est pas la peine. Indication internationale de numéro. C'est quoi? C'est plus Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Téléphone mobile. Plus 225. 59, 33, 12, 44. Ok. Ici, on dit j'accepte le traitement de mes données personnelles conformément à la 7 de à l'article 7 de la jambe décret. Oui, j'accepte aussi ça ici aussi. Oui aussi. Et là, oui. J'accepte de recevoir sur mon téléphone des SMS. Oui. Voilà. Donc on avance. Voilà. Donc c'est les mêmes éléments, c'est toujours les mêmes choses, donc vous pouvez voir pour avancer. On dit maximum 16, including des. Ok, donc je vais enlever quoi? Je vais enlever le plus. Je mets 0,0. Voilà. Maintenant, on essaie de voir. Ça ne marche pas, on ne demande pas. Je vais tout coller. Voilà. Ok, voyons voir. Ça ne marche pas, donc voyons voir. On dit mobile phone missing phone. Ici on dit 16 caractères including the international dialing code 00225. 16 caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Must be 16 caractères long. Ok, voyons voir. Le mobile, je crois que c'est déjà bon. Je comprends pas pourquoi il y a une erreur. Voilà. Donc, essayons d'avancer. Ça ne passe pas. On va reprendre. On va. Ok. Donc, voyons voir ce qui se passe ici. Ok. J'ai mis le numéro d'ici. J'ai oublié. 8 987 904 07 19. Ok. Voyons voir maintenant s'il y a un souci. Ok, ça passe. Donc, c'est le numéro que vous avez déjà mis au commencement. Voilà, vous devez mettre ici. On dit Registration Create Your Password. Ok, donc ici, vous devez créer votre password. Votre password doit contenir 8 caractères. Voilà. Au moins 8 caractères. Au moins 8 caractères. Vous devez avoir, par exemple, des lettres de 0. Un seul, au moins, un élément de 0 à 9. Au moins un élément majuscule, au moins un élément minuscule, au moins un élément qu'elle a, et pas plus de 20 caractères. Donc, moi je vais prendre d'abord au début majuscule, voilà. Et la suite, je vais prendre minuscule. Après, je vais prendre par exemple le caractère qui est juste en bas. Après ça, je vais prendre maintenant le numéro. Le numéro. Ok, j'espère que ça va marcher. Donc, je reprends ici. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va marcher. Voilà, ça marche. Donc, n'oubliez pas, le mot de passe est très complexe à trouver. En fait, le mot de passe, vous devez par exemple, comment vous dire, si par exemple vous pouvez créer un mot de passe comme ça, je vais mettre ça ici, vous allez voir. Je vais essayer de l'écrire quelque part, vous allez comprendre le mot de passe. Bon, je vais vous dicter cela après, voilà.
Voilà, donc voilà où nous sommes arrivés. Il n'y a pas de modification, tout est bien et tout, tout, tout. Voilà, on peut maintenant avancer. On va confirmer maintenant. Voilà. Ok. On dit, your login detail has been sent successfully to the email address you provided. Ok, donc si vous voulez, vous faites quoi? Vous imprimez, voilà. Dans le cas contraire aussi, si vous voulez aussi, voilà, vous allez directement poursuivre votre sur votre site. Regardez bien le mot de passe que j'ai mis. Regardez bien mon mot de passe. Voilà, le mot de passe est très compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez par exemple avec une lettre majuscule, il ne doit pas avoir deux lettres majuscules successivement ensemble. Voilà. Donc vous voyez comment est-ce que j'ai écrit. J'ai écrit le mot de passe. Majuscule, minuscule, majuscule, minuscule, majuscule. Après, il y a mis plus. Il y a mis 1. Quand vous mettez 1, vous ne devez pas mettre encore un numéro. Donc vous changez, vous mettez par exemple une lettre. Après un numéro, une lettre, un numéro, une lettre, un numéro. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Le mot de passe est très complexe, donc il faudra vous méfier. Ok, donc maintenant nous sommes là, nous avons fini, nous allons aller dans notre boîte email pour aller confirmer et puis essayer de postuler maintenant à notre bourse. Voilà, donc on va dans notre boîte mail pour confirmer. On va dans notre boîte mail pour confirmer. Donc voyons voir. Donc, c'est notre boîte qui est là. On va aller voir. Ils disent qu'ils ont envoyé un message. Donc, nous allons aller là-bas pour voir et confirmer ce message-là. Pour pouvoir mieux postuler à notre bourse. Voilà. Donc, je ne ferai pas deux vidéos. Je vais essayer de faire tout en même temps. Voilà. Et puis. Je vais essayer de tout faire sur le champ, comme ça on va avoir un peu de temps parce que il n'y a pas assez de temps pour pouvoir faire deux vidéos ou trois vidéos. Donc un instant que Ok, je crois que c'est pas encore arrivé ici. Voyons voir dans spam. Voilà spam. Ok, donc une fois que vous avez fini comme ça, voilà, vous venez, par exemple, vous pouvez tirer votre copie, ou bien vous venez dans login. Voilà, c'est-à-dire on repart maintenant sur le site. Voilà. On repart sur le site pour pouvoir postuler maintenant à notre bourse. Donc le site, notre email, c'était quoi? C'était World. Voici. Ok, donc voyons voir access. Dans les normes, ils devaient, voilà, dans les normes, ils doivent, nous devons confirmer notre email. Voilà, on doit confirmer notre email d'abord avant de pouvoir postuler. Donc, voyons voir. On va aller voir et confirmer notre email pour que le site puisse marcher. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu d'email. Donc, ok, comme le mail prend un peu de temps à venir, ce qu'on va faire est très simple. Je vais couper ici. Voilà, je vais m'arrêter là et puis faire une deuxième vidéo
Une fois que je reçois le mail, je fais une deuxième vidéo et puis voilà. Et puis vous allez pouvoir suivre, pouvoir postuler à la bourse. Alors, donc, ce qui concerne le mot de passe, vous devez bien faire attention. Voilà, vous voyez, je viens de finir de m'enregistrer. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, apparemment, le message. Parce que, une fois que vous finissez de vous enregistrer sur le site, vous devez recevoir un message de confirmation dans votre boîte mail. Vous allez cliquer dessus, vous allez confirmer avant de revenir pour pouvoir faire quoi, pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc, j'ai l'impression que le mail met un peu de temps à venir. Donc, ce qu'on va faire, je m'arrête là et puis je vais faire une deuxième vidéo. Une fois que je reçois le mail, je peux maintenant confirmer mon mail et faire une deuxième vidéo pour vous, pour que vous puissiez continuer pour la bourse, pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc restez toujours abonné, restez toujours connecté. Il y a une deuxième vidéo qui arrive, mais pour le moment, essayez de vous enregistrer et puis voilà. Donc si vous ne recevez pas le mail automatiquement, ça veut dire qu'ils mettent au moins quelque chose d'une minute pour pouvoir envoyer le mail ou bien deux minutes ou bien je ne sais pas, vous comprenez? Voilà, mais une fois que je vais avoir le mail, je vais continuer pour vous montrer comment est-ce que vous devez vous abonner. Voilà, faites très attention, le mot de passe est très complexe à pouvoir faire, donc à pouvoir écrire. Donc regardez bien comment j'ai fait pour pouvoir faire votre mot de passe. Alors, à tout à l'heure, c'était moi, Dizamo Spita. Donnez-moi un pouce bleu, voilà. Donnez-moi un pouce bleu, c'est très important. Une fois que vous voyez la vidéo, vous donnez-moi un pouce bleu pour que ça puisse être confronté. Donc, c'était moi, Dizamo Spita, et à tout à l'heure, les gars.